Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve sur la plage de Bangpor et je vous amène déjeuner dans un très bon restaurant que j'apprécie particulièrement. Si vous avez envie d'un bon restaurant à Koh Samui, vous voulez manger sur la plage, vous voulez bien manger à Koh Samui sur la plage, c'est parti! Je suis Emma, je propose Ban Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Et on se trouve exactement à 5 minutes de chez moi. Ma villa s'appelle Ban Sawadi Villa. La plage de Bangpor est vraiment un petit paradis. Si vous aimez les restaurants authentiques, typiquement locaux, c'est vraiment la plage idéale. Également, si vous aimez marcher au moment du coucher du soleil, parce que vous avez environ 3 km de plage, elle est pratiquement plane, ce qui facilite la marche. Et le soleil se couche derrière le Hantong Marine Park. C'est un pur bonheur. Vous voulez manger dans un restaurant tenu par des locaux, fréquenté par des locaux, c'est ici. Un joli lieu sur la plage de Bangpor. Alors je vous recommande à la fois cet établissement pour y déjeuner, mais aussi pour y dîner, parce que l'ambiance le soir est tout à fait différente. Il y a des parties à l'ombre, des parties au soleil pour ceux qui le souhaitent. C'est tout à fait safe, tout à fait sécurisant si vous venez avec des enfants. Il y a des balançoires sur la plage juste devant l'établissement. Comme vous le voyez, les bateaux de pêcheurs sont amarrés ici. Il y a beaucoup d'ail dans ce poisson. Nous avons commandé du poisson cibas à l'ail. Yes, the fish. Okay, thank you. Et voilà, poisson frit garni à l'ail. C'est un pur délice. 400 baht. 400. Yeah. 400 baht. Okay. Et voilà, le poisson arrive directement de la cuisine. Il est livré. On va se régaler avec une petite sauce piquante ou pas. Bon appétit! Allez! Voilà, nos plats arrivent. Le poisson, je vous explique même pas comme ça va être délicieux. C'est un poisson, généralement il est prévu pour deux personnes. Vous pouvez choisir une sauce qui est piquante ou pas.
Et dans la cocotte, eh bien, découvrons les glass noodles. Celui-ci, c'est celui aux gambas. Donc, dans cette cocotte arrivent les glass noodles au crabe bleu. Alors, le crabe bleu devient rose en cuisant. Et en fait, le crabe est au-dessous, en dessous. Oui, j'avais un assistant qui va généreusement tourner mon plat. Le crabe est dessous et il y a toute une petite sauce avec du poivre qui est là. C'est vraiment un pur délice. Voilà, je viens de retourner le plat pour que vous puissiez voir le crabe qui est servi. Et là, vraiment, on va se régaler. Il y a plusieurs établissements spécialisés dans les fruits de mer et poissons sur cette plage. Celui-ci est signalé ici. Bon appétit! Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos encouragements. Merci de suivre mes vidéos et surtout, n'oubliez pas de les partager. À bientôt! Bye bye! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île.